vais vous parler de mon coaching minceur et plus particulièrement des produits que j'utilise pour ce petit coaching dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à y aller, l'adresse est dans la description. Alors, le petit coaching se compose de 3 produits que je vais vous détailler. Tout est disponible chez Yves Rocher et c'est dans la ligne clé végétale minceur. La première étape de la routine, c'est l'exfoliation. Donc, l'idée, c'est quand vous mettez une crème, normalement sans gommage, vous allez mettre de la crème sur toutes les peaux, donc sur votre peau à vous, mais aussi sur les peaux mortes. Du coup, youpi la fête, la peau morte est nourrie, elle est contente, et puis 2 secondes après, elle se barre, elle désquame. Ça ne sert à rien, on est d'accord. Donc, l'idée, c'est de bien s'exfolier avant. Comme ça, tu n'as que ta peau à toi et tu boostes en gros l'efficacité de ta crème. Clé végétale exfoliante, moi ce que j'aime bien, c'est l'odeur. Mais alors, je vous invite à aller dans votre Yves Rocher et d'aller le sentir. Vous allez faire ça, regardez. Tu arrives en rayon, tu prends, tu fais... Oh, mes beautés blogs avaient raison. Ce petit parfum frais et dynamique d'agrumes, mais pas agrumes genre acide dégueu, hein. Agrumes cool, doux, petite salade de fruits en été, quoi. Donc, petit exfoliant, très utile. Alors, bon, ça, c'est valable chez toutes les marques, hein, pour booster l'efficacité de ta crème. Gommage avant. Règle universelle. Le deuxième produit à appliquer, alors, matin et soir. Alors, ça, c'est un truc que j'ai appris. Moi, je pensais qu'on mettait que le soir, et puis voilà. Non. Une crème minceur efficace, elle est appliquée matin et soir, et un tube fait 3 semaines. Voilà, comme ça on sait à peu près la dose qu'il faut mettre, etc. Et on met également après une nouvelle gestuelle que je vous montre, magie de l'image et du montage. Donc, vous arrivez, vous mettez un pchit, enfin un pouet, je sais pas comment on dit, et vous mettez de la cheville vers le genou, mollet numéro 1, gauche, droite, comme vous voulez, jambe gauche, toujours, jambe droite, si vous êtes Zidane. Ensuite, hop, re-un pouet, autre jambe, toujours de bas en haut, donc on prend de la cheville et on remonte vers le genou. Et après, pour les cuisses, c'est là que moi, j'ai eu une illumination chez Yves Rocher, 2 pouettes, ok, donc 2, comme ça. Pareil, on remonte du genou jusqu'à la cuisse, comme ça, donc on étale bien la crème. Sur l'intérieur de la cuisse, moi j'avais un peu de relâchement, ce que je ne savais pas, mais voilà, en perdant du poids, j'ai ma peau qui s'est un peu relâchée. Donc je fais des mouvements de chassé. Voilà, donc c'est comme si tu mettais ta crème en version plus light, plus aérienne et plus douce. Donc ça évite de casser la matrice de ta peau, en gros, voilà, ça n'agresse pas et tu peux quand même mettre ta crème, ça va raffermir, ça va aider à plus avoir de relâchement. Ensuite, j'ai découvert un nouveau petit geste de palper rouler, parce que moi, j'ai la peau ferme, malgré le relâchement, n'allez pas comprendre. Je n'arrive pas à choper le pli, vous savez, pour faire un palper rouler. C'est-à-dire que soit c'est un très gros pli de la taille de ta cuisse, soit ça ne marche pas et ça glisse. Donc, on m'a montré une nouvelle technique qui est absolument formidable. Tu te mets comme ça, en mode Lady Gaga Little Monsters. Voilà. Et donc là, ces petites phalanges vont aller sur ta cuisse. Pareil, tu remontes du genou vers le haut de la cuisse avec des petits mouvements circulaires avec tes phalanges. Du coup, la phalange, enfin les 10 phalanges d'un coup, ça va aider à déloger ta graisse. Trop bien, tu le fais, voilà, comme ça, de bas en haut, tu remontes, petit mouvement circulaire. En gros, le mouvement, c'est ça. Et tu fais comme ça, vu que tu remontes de ta cuisse, comme ça. Les little monsters de la cellulite. Le troisième et dernier produit, c'est la boisson drainante. Alors, qui dit boisson drainante, dit élimination rapide. On a compris, élimination, ce que ça veut dire. Je te fais les gestes parce que sinon je ne peux pas le dire comme ça en public. Donc moi j'ai toujours aimé les petites boissons drainantes, c'est hyper efficace évidemment, ça draine, on a compris le message. Et ce qui est souvent dommage, c'est que ça a un goût d'artichaut moisi. Donc là, the good news, c'est que ça a plutôt un goût d'iced tea, iced tea pêche un peu, tu vois. Et quand c'est dans ta bouteille, ça ressemble un peu à de l'iced tea. Alors moi, on m'a dit, ah, direct, tu vois ton pipi. J'ai une gueule à boire mon pipi? No. Tu dis que c'est de l'iced tea fait maison, un truc un petit peu arty et tout. Généralement, on t'embête pas plus longtemps. Vous avez donc vu ma routine minceur. Donc, je vais faire ça pendant à peu près 2 mois.
Pour la boisson drainante, c'est 10 jours. Après, t'arrêtes un peu, tu reprends 10 jours, hein, etc., etc. La prendre non-stop, ça sert pas à grand-chose. Fais des cures, ça marche très très bien. Je vous rappelle juste que vous pouvez gagner ces trois produits sur le blog, toujours l'adresse en bas, et je vous invite à jouer, à participer et pourquoi pas à gagner. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!